Ouais, qu'est-ce que t'as? Tu me cherches, Bello? Tu me cherches, c'est ça? Hein? Tu veux me laisser entrer dans le tuyau? Ouais, tu vas voir, hein. Tu vas voir, Bello. Je vais te taper, ça va faire mal. Salut tout le monde! C'est Ninomi, en pleine et frénétique haine et rage envers ce Bill Bucket de mes deux! Et oui, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps. Donc, je joue pas la manette, elle bug, je sais pas. Depuis qu'on a plié. Quelqu'un a plié le club, là. Merci, merci. Et donc aujourd'hui on va se faire un épisode, ça faisait longtemps. Là je suis vraiment d'attaque, je vous le dis pas, vous allez voir de l'énergie, de la magie, voilà. Je vais faire tellement d'épisodes que vous allez en vomir, vous allez faire sortir de partout, vous ne saurez plus les mettre. Vous aurez une heure d'épisode par jour. Non, non, je déconne, mais... On va continuer cette aventure, aujourd'hui j'espère... à mon avis c'est un épisode pas trop long quand même. Et ouais. Et on va aller au château, vous allez voir tout de suite pourquoi. Donc, j'espère que ça ira... Parce que j'ai changé, j'ai dû remettre les touches du clavier, mais allez, ça devrait aller. Et on se rend à la salle du trône. Pour l'instant, rien. Oh, maître Mario, vous arrivez au bon moment. Mario, Luigi, je viens de parler à la reine Vigilia. Saviez-vous qu'il existe dans ce royaume une ville champignon appelée Little Toad? Il s'agit d'un endroit où vivent les Toads qui ont immigré dans ce royaume. Profitons d'être ici pour aller visiter Little Toad au nom du royaume champignon. C'est une bonne idée, seulement pour aller à Little Toad, vous devrez traverser la vallée. Cette vallée est peuplée d'horribles créatures. Ce serait un peu, non? Ce serait très dangereux pour la princesse Peach. Sauf votre respect, je me dois de protester. Traverser un endroit inconnu fréquenté par des monstres est tout simplement inacceptable. Mais si elle est accompagnée par Mario et Luigi, alors... Mario, Luigi, je dois dire que ce voyage me tient à cœur. M'accompagnerez-vous à Little Toad? Oh non. Ah, moi, il est franc, Luigi. Mario, c'est un gros fou cul, je suis sûr. Vous êtes d'accord? C'est dit, mais vous devrez faire très très attention. Nous nous préparons tout de suite. Retrouvez-nous à l'entrée de la vallée, hihi. Très bien, je vous dis donc au revoir, Majesté. Oh... Quelle magnifique prestation. Votre princesse est non seulement belle, mais aussi intelligente et courageuse. Je l'admire vraiment. Mario, Luigi, je compte sur vous pour la protéger. Vous allez à la vallée. Prenez la direction du nord-est en quittant la ville. Ah, et ben dis donc. On s'est rendu compte, avec la princesse Peach, en visitant le royaume, hein, en revenant, qu'elle voulait elle aussi visiter le royaume, bien sûr. Elle a le droit quand même. Hein. Et ils ont appris qu'il y avait une petite ville, un village... Au niveau de la grandeur, pour moi, c'est un village. Où vivraient les Toads dans ce royaume, qui en fait viendrait du royaume champignon, et ils ont émigré dans le royaume de Vigésia. Et ils ont fait leur petite ville pour accueillir les Toads qui seraient peut-être perdus. Alors franchement, c'est pas une bonne idée où ils l'ont mis, parce que c'est derrière un désert avec des monstres, et j'aurais peut-être pas fait ça. Bon, on va y aller, à ce désert. Vous allez comprendre dans l'épisode précédent... où était l'endroit? J'étais passé devant, vous l'avez peut-être pas vu. Et l'importance du marteau. Donc bien sûr, il y a toujours ce monstre de balles. Ah oui, et on avait appris une nouvelle capacité du haut grâce à un parchemin. Et je vais vous la montrer au prochain boss, on va dire. Ah, je sais pas, j'ai pas envie de vous faire attendre, mais quand même. Donc... Oula, j'étais en train de vous la montrer, c'était pas bon ça. Parce qu'elle était à la place numéro 2, elle devrait être à la place 3. Donc dans le dernier épisode, on avait rattrapé la petite gaffe de sauvegarde que j'avais fait. Et là, si je vais vous montrer, c'est pas grave, si ça coule, je m'en fiche. J'ai refait une petite sauvegarde rapide pour éviter que ça me rarie. Voilà. Hop là. Alors j'aimerais bien vous faire des annonces dans cet épisode, que ça va aller bien sur ma chaîne, mon professionnalisme l'interdit. Ouais, je sais, je suis professionnel. Voilà, on va battre. Alors vous avez vu dans la scène, Luigi était très froid, hein, je suis sûr. Non mais Peach, franchement, elle fait la fille. Hein. Personne veut y aller avec moi, allez, venez, venez. Et puis en fait, Mario, il fait, ouais, je suis trop sous mon charme. Luigi, c'est pas le cas, on se demande pourquoi. J'ai mal à la gorge tout à coup. Et voilà. Et on y va. Dans la joie et la bonne humeur. Hop là. Et on arrive dans le désert de la vallée II. Comme tous les noms dans ce jeu, c'est une exclamation. Mario, Luigi.
Ici, dans ce cas, c'est hihi. Bon, on va écouter la cinématique. Je suis désolé de vous avoir fait patienter si longtemps. Je ne vais pas vous retenir. Je compte vraiment sur vous pour protéger la princesse Peach. Je reviendrai vite. Ah, Mario et Luigi, allons à Little Toad. Et voilà, ils sont tous comme des petits chiens. Prenez garde, princesse. J'ai l'impression d'avoir oublié de leur dire quelque chose. Ça y est. Oula, merci. Maître Mario, attendez. Ah, mince. Désolé pour la voix super aiguë. Mario, Luigi, help me. Aide-moi. Mario, Luigi, j'avais oublié de vous dire une chose importante. Si la princesse disparaît comme tout à l'heure, elle se fera sûrement enlever par un monstre. Je vous demande de bien rester près de la princesse. Et si elle va trop loin devant, parlez-lui pour qu'elle revienne vers vous en prenant le même chemin. Je vous en supplie. Alors, bonne chance, je compte sur vous. Voilà donc. Peach s'est fait capturer par les monstres et elle est maintenant enfermée en bas de ce tuyau. Mais on va vite voir un petit coup ici parce que. Voilà. Je préméditais qu'il y aurait quelque chose sûrement. C'est. Ça arrive souvent avec moi. J'aime bien finir les jeux assez complètement. Et pas à 100% forcément, parce que 100% ça voudrait dire avoir toutes les pièces, tous les blocs, tous les poids. Et ça serait archi dur pour ce jeu qui est vraiment énorme. Donc vous voyez, vous avez des petits dessins au sol, mais il y a des poids dedans. Ici on a encore un truc. Wow, on s'égare je crois. Oui, on s'égare, on arrive à une autre sortie du... Ah ouais, quand même. Bon, on a une petite vue sur le désert. On arrive ici. Alors, un bateau, ok. Ça ne me dira absolument rien. Et il est fermé de toute manière. Ah, ce lieu me dit quelque chose. Ce lieu me dit quelque chose. Oui, on est de nouveau dans la vallée de champignons, on va savoir. Alors vous voyez cette étrange énergumène qui ne nous laissera jamais passer tant qu'on n'aura pas la capacité pour le pousser. Hein. Eh ben on peut l'esquiver de cette manière, alors je savais pas. J'aurais appris quelque chose. Et donc ici qu'est-ce qu'il y a? Pour l'instant il n'y a rien par ici. Hein. Ça a pas l'air d'être très important pour le moment. En fait, je vous raconte des conneries, mais je vais pas vous dire ce que c'est. Oh, ce que je suis méchant. Oh, ce que je suis honteusement méchant. Wow! Alors, on va reculer, parce que là, je crois qu'on est un peu loin, en fait, dans le monde. On a avancé sans pitch, c'est pas bon. On va revenir à la case départ. Voilà, donc, un bon petit air de désert, bien sympa. Alors, vous voyez, il y avait l'air d'avoir des poissons ou des étoiles de mer avant ici, hein, qui aident l'eau dans ce désert, puisque... Si vous regardez bien, là il y a une toile de mer un peu morte, desséchée. C'est un peu. Ah! On va y aller là-haut, et là qu'est-ce qui est écrit? Little Toad, environ de Végésia. Ok. J'ai mis les petites explorations, peut-être que ça vous saoule. Ici il faudra se souvenir de Rialé, parce qu'à mon avis, ça cache quelque chose de pas mal intéressant. Doucement. J'aimerais éviter l'avenir de vous faire des épisodes trop longs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas ça, même si vous pouvez simplement le couper en regardant plusieurs fois la vidéo. Mais si ça vous plaît pas, j'essaierai d'arrêter. Donc, on va d'abord tuer les monstres pour éviter que Peach se fasse ravoir, ce sera un peu dommage. Wow! Tu m'as sur un autre ton. Oh, j'aime pas ce monstre. Oula. J'aime pas ces monstres, je vais me faire tuer. Et voilà. Et qu'est-ce que je dis? Et après on dit qu'on n'est pas entraîné. Et taratati, et taratata. Non, j'aime bien ce monde encore. Mais vous voyez ça, ce que c'est ces petits énergumènes que nous avons en face de nous. C'est des... Comment ça s'appelle des Goombas en fait momifiés. Allez, non. Cette fois c'est Luigi. Ouais, en fait il se décale juste un petit peu pour savoir. Oui. Ah, c'est un Moomba. Ben oui, un Mommy Goomba et un Moomba. Hop là, on continue vers la victoire, bien sûr. Parce qu'on est des bestes.
Oh, mais j'ai envie de le taper celui-là. Oula, encore un nouveau monstre. Ça va se corser. Voilà. J'aime pas beaucoup ces monstres. Alors, on va vite s'en charger. C'est des caf-clic. Je sais pas, j'ai pas bien lu. Alors. Ah mince, je crois que j'aurais pu le renvoyer. En fait, il me semble que... Oh! J'avais oublié qu'il envoyait des trucs bien. Si un monstre meurt, je peux continuer mon attaque, il me semble. C'est des cac-fit. Cac-fit. Alors, je comprends pas d'où vient fit, c'est pas grave. On va pas se torturer pour ça. Hop! Alors vous voyez, l'attaque avancée, là, elle se fait juste sur un cran. Non, effectivement, là, ça continue pas l'attaque. Hein. Si vous regardez l'attaque avancée avec Luigi, qui est d'ailleurs... J'ai même pas lu le nom, mais... désolé, c'est bascule. Eh ben, il faut faire un petit coup de A juste après que Mario ait lancé le premier coup de marteau. Et là, on gagne des poivrons rouges. Je crois que ça permet d'alourdir Mario. Voilà. Alors, je déteste cet endroit. Vous voyez, ces tuyaux, ils sont longs à remonter. Et si vous ne faites pas A et B en même temps, il y en a un des deux qui n'est pas accroché au tuyau. Vous cassez la figure et vous perdez plein d'argent. Alors, ici, c'est pas très compliqué. Il danse. Hein. Juste esquiver. Me fait rire. Petite pitchounette. Ah, mon dieu. Est-ce que je suis moche? Non, mais regardez là. Parce qu'elle est conne en plus, hein. Et elle nous attendrait même pas. C'est une blonde de première. Et elle marche encore quand on est devant celle. Donc je dois revenir par le même chemin que celui que j'ai pris, je vois. Oh non, non, fais pas ça. Reviens. Ah, c'est bon. En fait, on peut la faire reculer si on veut. Mince. Me dites pas que les monstres sont venus. Me le dites pas. Ouf. Oh, sacré pitch. Bon, pendant ce temps, nous, on va boire un café avec Luigi, hein. Regardez-moi ces cactus, c'est incroyable. On pourrait faire une visite au musée pendant qu'elle marche. Ça, c'est des poissons de l'ère paléolithique, qui étaient géants à l'époque, bien sûr, dû au réchauffement climatique. La mer a fondu. Oui, elle a fondu, la mer, ça se dit, bien sûr. Et après la fonte de la mer, eh bien... Mario et Luigi sont nés. C'est pour ça qu'aujourd'hui Mario et Luigi n'existent pas. Mais comment... Non, je raconte n'importe quoi. On y va. Ok, merci. Alors, à la prochaine étape. J'aime pas quand elle dit ça. Elle va se revoir. Bon, bah. Alors, je crois qu'elle peut aussi se faire avoir quand elle est hors de l'écran, même s'il n'y a pas de monstre. Et ça, c'est très embêtant. Parce que ça te fait tuer deux monstres pour rien. Ici. Alors, rien du tout. On s'est fait arnaquer. Alors, je ne sais pas d'où vient l'expression. Ah non, mais je sais pas pourquoi. Ah, quand je pense à arnaqueur, je pense à arnapiqueur, mais je crois que ça n'a rien à voir. Non, je crois que je suis fou en fait. Et voilà, encore une vie, encore une minute de gâchée. Bon, je crois que je me suis un peu amélioré. Non, c'est pas gentil de s'attaquer à ceux qui sont par terre. Bah on peut pas faire la taxo, sinon on va se prendre le monstre. Allez, on se la fait en mode avancé. Pan, pan, pan. Magnifique. Bon, toi, voilà. Oh, le coup dans la tête. Oh, t'as pas aimé. Oh, t'as pas aimé, t'aimes pas, hein. Oh, je lui ai mis le goût à ce monstre. Encore un passage. Je vous dis pas combien il y en a dans ce jeu. Hein. Ce désert, c'est un vrai labyrinthe. Ah, mais si on était avant, en fait. Il y avait le petit bateau. Alors, je vous dis, le bateau va quand même servir à quelque chose, vous vous en doutez, forcément. Ils ont pas mis un bateau pour décorer comme ça. J'en dis pas plus. Je ne vais pas vous dire la suite, ce serait un peu... gâcher votre plaisir. Ah, mais je sais pas, j'ai envie d'aller ici, j'ai l'impression qu'il y a un truc. Voilà. Encore des Goombas, momies. Alors, quand on arrivera à Little Toad, si on y arrive, bien sûr, hein, faudra qu'on regarde. Faudra que je regarde où je m'arrête, parce que l'épisode va s'arrêter à un certain point, et c'est très important.
Oh, je pense qu'on va s'arrêter dès qu'on arrive à Little Toad. Le problème, c'est qu'il y a un événement là-bas et que je sais pas si je vais m'arrêter après, en fait. Je réfléchis 2 secondes, laissez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Pendant que vous regardez le combat. On va descendre dans le tuyau de la mort qui tue. Le tuyau tire fric. Wow! Même si on tombe à 3 cm. Hein. Regardez ça. C'est incroyable. Donc, je réfléchis encore un petit peu pendant que... Ben, j'y vais vite. Hein, je réfléchis. Oh, Mario Luigi! C'est insupportable. C'est insupportable, la voix de Peach. Ah oui, en plus, là encore. Hein. Franchement, leur mieux fait de la perdre, je crois. Sans être méchant. Oh, merci. Alors, allons à l'étape suivante. Oui, non, non, s'il te plaît. Puis je fais pas la conne. Bon, on va la garder un œil sur elle. Oh, fallait que ça arrive, bien sûr. Oh, help me! Help me! Pan! Mais je vais jamais y arriver. Je vais rager. Je vais rager! Pan! Ta phase de trek. Ça veut rien dire, désolé. Oh, mais il faut que je m'excuse combien de fois pour l'épisode, punaise. C'est insupportable. C'est vous, mes abonnés, qui devrez vous excuser. Vous me stressez, là, la santé. Hein. Ça me stresse d'en avoir 100. Après, j'en aurai peut-être 200. Ça va encore plus me stresser, je vous dis pas. Je vais être là, oh, putain, si je les déçois, si je les déçois, si je les déçois, je suis dans la merde, ils vont me tuer. Ils vont venir chez moi, ils vont m'attaquer, ils vont me taper, ils vont me... Schizophrène. Non mais je vous jure, hein. Quand on est youtubeur, on est un petit peu schizophrène au bout d'un moment, puisque si on y pense, logiquement, on parle à un public qui n'est pas en face de nous, en direct, voire si on fait un live, ce qui nous rend un petit peu schizophrène, mais bon, je suis habituée. Voilà. Ça devrait jouer maintenant. Alors, on va taper le bouton, j'avais oublié de le faire. Voilà, alors le tonneau est tombé. On parle à Peach pour qu'elle revienne en arrière. On la suit. Je vais vite regarder un truc de mon inventaire. Alors, je vais vite voir ce qu'on avait visité. Alors, on a visité les bois du rire. On a visité l'île. Oui, on a visité l'île avec le temple. On n'a pas visité la montagne de glace là-haut. L'aéroport, on a visité l'arbre mojo à côté de l'aéroport, on l'a pas fait. C'est pas l'arbre mojo, bien sûr, mais non. Je regarde un petit peu les choses ici. Ouais, mais ça va, on n'a pas des stats trop pourris, même si c'est pas la joie. C'est bon, ça roule? Bon, c'est bon. Oh, sacré Peach. Je vous retrouve tout de suite. J'ai vite un petit problème là. J'arrive. Non, en fait, c'était rien, c'était juste que je réfléchissais. Non, je vous jure, je réfléchissais à ce qu'on allait faire. Alors ici, le truc à ne surtout pas faire, c'est se casser et passer à côté de Peach. Sinon, vous êtes dans la cheat la plus totale. Je sens qu'il y a des monstres, mais prions pour que ça ne se fasse pas avoir. Bien sûr, ça n'arrivera pas. Pour éviter de se taper tout chemin, on va faire le boulot nous-mêmes. Puis comme elle suit Peach, on peut... Le tap. Ah non, on peut même pas le taper ce monstre, vous avez vu? Je touchais même pas. Pan! Pan! On dirait qu'il est constipé, Luigi, quand il tape. Enfin, surtout quand il se défend. Ouais, regardez, il serre les dents parce que je crois qu'il arrive pas à porter son marteau. J'ai jamais remarqué comme ça, mais si vous jouez un jeu plusieurs fois, vous remarquerez des détails que vous n'aviez peut-être marqué au début.
Et c'est la même chose pour les films, alors des fois ça m'étonne. Ah ouais, ben on a gagné la main de feu, je l'utilise jamais, alors on va la faire un petit coup là. Ouais, pas mal. La main d'éclair. Pan. Ouais, c'est de la match. Alors on arrive à la fin du jeu, je pense qu'on a dépassé la moitié là, si je puis dire. Il nous reste une bonne partie. C'était la première partie du jeu, en fait c'est la première partie historique. On arrive dans une deuxième. Hein. Alors ça c'est ça. Youpi! Je suis joyeux. Non, ça me dégoûte. Ça c'est dégoûtant. Ah, y'a un qui m'étonne. Il me semblait qu'il y avait d'autres monstres dans ce désert que ces petits. Ça veut Goomba? Oui, c'est ça. Mais bon, je m'efforce à le faire alors je sais que ça sert à rien. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Il me semblait qu'il y avait d'autres monstres dans ce désert. Ouais, en y repensant, franchement. Et il y en a d'autres, j'en suis sûr maintenant, mais ils sont pas là. Ah, ils sont pas là. Non, je réfléchissais à un truc, désolé, c'était pas une blague, hein, avec... Ah, ils sont pas là. Non, non, non. Je suis en pleine... Je réfléchis pendant mes vidéos, je réfléchis pas avant, moi je réfléchis après. Alors lui, soit il nous attaque en fait avec ses pics qui nous crachent là, soit il nous donne un truc bien sympa, et j'aime bien quand il donne des trucs bien sympas. Et ça me fait plaisir, et si je suis content, vous êtes content logiquement, ça dépend. Hein. Peut-être que vous êtes un disliker de mes vidéos. Ah, j'aimerais bien avoir un disliker pour bien l'emmerder, tu vois. Bon. Oh, je sais jamais si ça tourne en haut ou en bas, c'est du 50-50 avec moi. Et je t'ai tué. C'est à lui de monter niveau. Alors je me souviens quand j'étais petit, j'étais arrivé au boss final avec une cinquantaine de niveaux. Mais j'aimais beaucoup battre les monstres, alors que là c'est plus le cas. Et là on va arriver au boss, je pense qu'on sera pas plus qu'au niveau 30. Alors là j'ai pas aimé Peach. Oh regardez ça, frôler la mort. Au moins ils s'amusent les petits Goombas, regardez. Je m'amuse avec eux. Ouh, j'ai frôlé la mort. Ouais, c'est bon, on a compris. Oh, on s'est fait un sang d'encre pour toi, Peach. Non, nous ne sommes pas faux culs, Peach. Alors ça je déteste, regardez. Il n'y a pas de monstre de l'autre côté. Mais comme j'étais trop lent, les monstres l'ont. Ça, c'est un truc qui me fera rager toute ma vie. Waouh. Da-da-da. Je vous dis, à l'avenir, on fera pas que du let's play. Hein. Il y a bien des gens. Il y a des youtubeurs qui sont bien débrouillés, hein, franchement, en ne faisant qu'exclusivement presque du let's play. Hein. Mais je compte pas ne faire que ça. Je compte m'orienter à autre chose. Est-ce que ça vous plairait qu'une de mes émissions porte sur l'histoire du jeu vidéo? Alors oui, ça vous pourrait vous faire déjà une petite culture générale à cette matière, surtout si vous aimez beaucoup ça, parce que je pense bien que l'histoire d'Hitler et de la Deuxième Guerre mondiale, ça vous brancherait peut-être moins que ça en fait. Je me dis, ça pourrait être sympa d'apprendre des choses. Je vérifie mes sources, bien sûr. Hein. D'apprendre des choses tout en s'amusant. Et ça, c'est un concept que j'adore. Alors, on va faire reculer Peach parce que j'ai envie de la reperdre une fois. Apprendre des choses tout en comme ça. Hein. Et on va faire un petit concours là-dessus. Alors, Peach. Ah, c'est bon. Peach, elle me laisse le temps de me changer. Enfin, pas de me changer d'habit. Hein. Vous m'avez compris. C'est bon, elle me doute pas là. Elle me fait peur. Elle me fait peur, elle court. Elle court. Oh! J'aime bien, elle s'arrête pendant qu'on fait un truc. C'est débile ce jeu. Allez, Peach, passe. Je n'oserais pas me mettre devant toi. Oui, on y est presque, enfin. D'ailleurs. Ah, on y est presque. Là, vraiment, les amis, on y est beaucoup. Une sauvegarde, bien sûr. Alors, qu'est-ce que. Little Toad, fondé par les habitants du royaume champignon. Little Toad est par là. Dépêchons-nous d'y aller. Ok. Et bien sûr, hein. Je vous attends pas. Ah, alors ici, ascenseur pour les ruines Mara, capacité une personne. Oula là là, on va pas en voir plus hein, parce que. Oui, on peut pas monter. Ça va être le mystère pour le prochain épisode. Alors je crois que j'ai loupé des poids sur le sol.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà... Non, ça vaut pas la peine. On va pas sauvegarder, on va... En fait, on va aller à la ville. Et on va s'arrêter là, on va pas continuer l'histoire dans la ville. J'aimerais juste me recharger, en fait. Oh, c'est la misère, regardez, on a... Faudra s'acheter du sirop, franchement. C'est la misère totale. Alors, on y va. Oh, je suis terrifiée. Aidez-moi, Mario. Luigi. L'hôpital. Je vais accoucher, non. Oh, dangereux. Oh, dangereux. Toi, va la sauver. Waouh, quelque chose d'aussi gros, c'est impossible. Ah, c'est Mario, n'est-ce pas? C'est vrai, on est rassuré. On est rassuré, dis donc. Mario, Luigi, au secours! Alors, les toiles, ils sont un petit peu bronzés dans cet environnement, je crois. J'ai jamais compris comment l'est à la fois. Faudrait qu'un jour on émette une théorie sur la couleur des toiles, ce serait pas mal. Alors, ah oui, je vais vous montrer l'attaque tourne, frère, si j'arrive. Alors, c'est simple? Alors, vous voyez, c'est simple. Alors, il y a un truc sur ce boss que je m'étais jamais rendu compte, mais depuis que je suis petit, j'arrête pas de taper là. Alors que le boss, ça lui fait pas beaucoup de dégâts. Et en fait, faut taper sur sa tête où on voit distinctement son point faible. Alors, comme ce monstre ne fait pas beaucoup de dégâts, vaut mieux les attaques qui durent longtemps, comme celle-ci. Ah, oui, même si je fais du 1 de dégâts, j'en fais beaucoup. Et voilà, donc Peach terrorisée, elle allait faire une crise. Elle est faire une crise anxieuse. J'ai plus comment on dit ça. Je suis obligé de monter. Hop, hop, hop. Oh, le fail. Oh, le fail. Alors, j'espère qu'on va s'en sortir avec les quelques peu de sirop qui nous reste. Je crois qu'il nous reste un super sirop. Et on va se concentrer sur cette attaque. Voilà. Bon. Ok, 2. Alors, est-ce que je peux brûler sa mèche là-haut? Je sais pas. Ah non, on peut pas. Mais ça m'aurait plu parce qu'en fait, c'est de l'herbe et ça aurait dû lui faire sûrement très mal. Voilà. Donc, vous voyez l'effet que ça a cité de cette attaque, franchement. Oula. J'aime pas quand il roule ses bras. C'est galère à esquiver. Hop, on fait l'attaque spéciale. Ah, elle marche pas l'autre en fait. On est obligé de faire hélico. Normal, et de se débrouiller avec bascule. Pan, 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 wow, je gère. Regardez, regardez cette finesse, ce doigté. C'est incroyable. Oulala, il s'énerve, je crois. Alors là, on esquive les trucs méchants. Et on garde les trucs bien gentils. C'est parce que, ouais, vous voyez, en plus, il reprend pas beaucoup de vie, hein. C'est un boss très résistant, mais aussi qu'a pas... Mince, j'ai oublié que ça marchait pas. Qu'a pas énormément de PV. Donc là, si je lui fais cette attaque, il va reperdre tout ce qu'il a emmagasiné en un coup. Voilà. Hop. Alors vous voyez, quand la pierre tourne, généralement elle va de l'autre côté de son bras. Quand elle ne tourne pas, elle va du bon côté de son bras, si je puis dire ça. Du même côté. Et on l'a tué? Non. Alors ce boss, je me souviens en fait, peut-être pour ça que j'arrivais pas à le tuer en fait, si on comprend pas qu'on peut viser sa mèche, on tape son corps et son corps, et à un moment il va se diviser en 4. En 4 petits lui, hein. Et ces 4 petits lui, il y en a un qui a la mèche, et après on lui fait de gros dégâts. Alors on n'aura pas vu, c'est dommage. C'est pas extraordinaire, mais c'est un petit truc qui a pas manqué quand même. Alors, on va arriver dans la ville et on va sauvegarder. Mario, Luigi, merci de m'avoir sauvé. Oh. Oh, nous aussi on t'aime, Peach. Il semble qu'il l'a battu. Ouais. Un monde bloqué l'accès à la ville, c'est un sacré problème, merci quoi. Non, je ne ferai pas d'accent. Je ne ferai pas d'accent. Bienvenue à Little Toa. Princesse Peach, je suis au courant. Au courant de quoi? Montez dans l'ascenseur du fond, je vous en prie. Oh, s'ils en prient, on va le faire.
Je me demande à quoi ressemble l'île de Toa, ça doit être une ville agréable. Mario-Luigi, montez vite. Oh non, je voulais vous faire la surprise pour la prochaine fois. Princesse, c'est bien vous, princesse? Nous vous attendions, Papy Toa nous a prévenu de votre visite. Nous sommes très, très fiers de vous recevoir ici. Et vous êtes le fameux Mario. Mario, c'est bien vous. Oh, et vous, Luigi, vous êtes en chair et en os. Nous sommes très, très honorés. Merci de votre visite. Nous allons faire visiter Little Toad. Mario, Luigi, merci pour tout. Je vais pouvoir me débrouiller seul à présent. Vous devriez en profiter pour faire un peu de tourisme. Très bien, à bientôt alors. Voilà, donc on va y aller. Je change vite la sauvegarde. Ok. C'est bon. Voilà, donc une ville qui a déjà l'air très accueillante, a priori, hein, vous voyez, c'est une petite ville toi bien sympa. Oh, je vous dis pas, j'avais un de ces tics un temps, quand j'étais petit, pour avoir peur de pas recommencer le jeu, je sauvegardais 10 fois, mais je le ferai pas là, que deux. Et donc on va s'arrêter là, c'était un bon épisode, j'espère que ça vous a plu aujourd'hui, j'ai peut-être un petit peu moins rabat-joie que les autres fois, parce que des fois je suis un petit peu sur les nerfs, quand je fais mes épisodes, là ça va, je suis content. Et donc, on se retrouvera dans un prochain épisode, la prochaine fois. Donc, abonnez-vous si vous aimez mes épisodes. Mettez un favori si vous avez adoré cette série et si vous en avez envie. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Mettez un pouce rouge si vous êtes un disliker ou que vous n'aimez pas mes vidéos. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis donc ciao et à une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.